Ouais, donc bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode sur la pêche à l'étang royal. Donc là, c'est un nouveau poste. Alors, le dernier coup, j'étais juste derrière l'arbre et je pêchais l'île qui était là. Bon, alors, du coup, je vais vous parler d'où j'ai mis mes cannes. Donc, celle de gauche, elle pêche juste là, juste en dessous là, du petit alezon de branches. La deuxième canne, elle pêche. En fait, il y a le panneau qui est là, à une vingtaine de mètres en alignement du panneau. Ensuite, j'ai mon pote qui a ses cannes là. Donc, on pêche juste devant l'arbre, à une vingtaine de mètres aussi. Et c'est cette canne là qui aura fait le poisson que vous allez voir juste après. Et sa deuxième canne qui est là, elle pêche en pleine eau, là, à 30 mètres. Et pour l'instant, on n'a rien fait dessus. Moi, quant à mes deux cannes, j'ai eu 2-3 bips sur celle-là. Et puis deux aussi sur celle-là. Ça a pas conclu. Donc on va rester et puis on verra bien. Donc voilà, là c'est le montage que l'on utilise pour cette session. Donc les quatre cannes pêchent pareil, sauf la petite canne qui est dans la petite bassine. Elle pêche avec un montage classique avec du maïs. Donc là c'est un spinner avec une petite pop-up. Et puis là les plongeurs et le plomb. Donc là je vais remettre un petit PVA et puis je vais la lancer un petit peu plus loin. Bon bah voilà, premier poisson. On va remonter ça. Bon, on n'a pas filmé la chute, mais c'était pas mal la chute. Il a failli à 1 mètre du bord, il a failli tomber dans Tu l'eau. vois mes marques. Hein. Il était là, puis bah ça a fait chou sur le cul. Bon bah voilà, ouais. C'est bon, tu filmes encore? Magnifique poisson. Magnifique. Pris avec un petit Dumble Rock. 16 kilos, nickel. Bon bah voilà, fin de la session, on aura touché 4 poissons. Donc mon pote aura fait 2 carpes et moi j'aurais fait une 16 et puis un petit carassin. Donc deux spots qui m'ont bien réussi, c'est au niveau des là-bas du panneau que je vous avais fait montrer tout à l'heure. Donc là-bas. Et puis mon pote pareil en face de l'arbre. Et puis sur sa canne en pleine eau, il a rien fait. Et sur la canne, dans la petite réserve à côté, j'ai fait un carassin. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Le début de la journée n'a pas été bon du tout. On n'a pas fait de poisson du tout. Et c'est que là, cet après-midi, qu'on aura déclenché des touches. Donc c'est déjà pas trop mal. On s'en sort avec pas mal de poissons, des jolis poissons en plus. Vous allez voir.
Et puis tout ça avec du montage flottant, avec des petits maïs, des petits dumbbells flottants rock, donc en rose. Et puis c'est nickel. On a déroulé que là-dessus. Le reste, on n'aura pas déroulé, on n'aura rien touché. On aura tout essayé. Et puis voilà, c'est pas trop mal. Bon bah voilà, le chariot est paré. On aura oublié les manches et puis du coup on est obligé de galérer comme ça. Bon bah. Bon bah si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à partager. À bientôt. C'est ça qu'on n'a pas les manches, hein. On a emmerdé, hein.